Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOHO, le lien est dans la description. Ok les frères, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, Magasa Future Star, le MDC de Monaco, l'ancien Tchouaméni les mecs, et du coup un Future Star dans les objectifs. Le but de la vidéo c'est de vous expliquer comment le faire facilement et rapidement si on peut combiner plusieurs défis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo le mec, on va s'y remettre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like comme d'habitude, sur Twitch Zola avec deux à la fin juste en bas, le Snap Zola Prime, ajoutez-moi les mecs, je suis plutôt actif. Au moins c'est là que je dis quand je fais des lives, quand je raconte un peu ma vie, quand j'ai des trucs à raconter. Et voilà. On est parti directement pour le premier défi, Magasa. Du coup, déjà, on va regarder la carte déjà de Magasa, les mecs, ok. Double 4, moyen, moyen, 1m88, ça c'est pas mal. DC, MC, MDC, ok. Les gars, la taille est pas mal du tout. La vitesse, ok. La passe, ok. Les dribbles pour un mec qui fait 1m88, c'est ok. Bon, on regarde, les gars, il a une carte boost, en vrai. On dirait sa carte, c'est une carte boost. Donc, c'est pas la meilleure carte qu'ils nous ont mis. Mais pourquoi pas. Bah, les gars, c'est surtout une carte pour quelqu'un qui vient de commencer FIFA, en vrai, de vrai. On va pas se le cacher, c'est celui qui a FIFA à Noël, là. Donc c'est pas foufou en vrai, c'est pas foufou. La carte est pas sensationnelle, il a le agressif plus en playstyle, ok. Ok, ok, en tout cas les gars c'est toujours bien d'aller la chercher. Courage à la française, concéder deux buts au moins, ou moins, par match, dans 5 matchs différents, dans clash équipe, ou rival, ou champion, foot champion du coup, au niveau semi-pro minimum, avec au moins 6 éléments joueurs de France parmi les titulaires. Les gars vous mettez 6 joueurs français dans votre équipe, parmi les titulaires, 6 joueurs français. Et dans 5 matchs différents, soit en clash équipe, soit en division rivale, ou soit en foot champions, playoff ou final champions, vous devez concéder 2 buts ou moins. C'est-à-dire maximum 2 buts sur 5 matchs différents, avec 6 joueurs français parmi les titulaires, tout simplement. Et vous gagnez un pack 2 éléments joueurs aura 80+. Deuxième défi, maîtrise au milieu, adresser 7 passes D avec des milieux dans clash équipe, ou division rivale, ou foot champions et final champions, avec enfin, au niveau semi-pro minimum. Donc voilà, vous devez tout simplement les gars adresser 7 passes D avec des milieux. MG, MD, MD, MDC, MOC, MC. Donc les mecs, tout ce qui... voilà les gars, dans les 5 matchs que je vous ai expliqué juste avant les mecs, ok. Vous allez forcément faire des passes D avec des milieux, donc ça va se faire tout seul. Même si vous faites foot champions, on fait tous des passes D avec des milieux, donc ça va se faire tout seul les gars. Ne vous inquiétez pas, ok. 6 victoires pour le troisième défi, remporter 6 matchs dans clash équipe au niveau semi-pro minimum, ou rival ou foot champions, au niveau semi-pro minimum, donc vous devez remporter 6 matchs les gars, donc ça va se faire aussi facilement, on vous demande pas de joueurs ou quoi, juste 6 victoires, on fait tous foot champions, on fait tous clash équipe, on fait tous rival, donc ça va se faire facile, et 10 sur 10, marquer 10 buts avec des joueurs de ligue dans clash équipe au niveau semi-pro minimum, ou division rival, ou foot champions et playoff. Donc voilà les gars, vous avez un joueur de ligue, moi j'ai Mbappé par exemple, vous devez marquer 10 buts avec un joueur de ligue dans ces 3 modes de jeu que je vous ai expliqué. Les gars, moi ça va aller très très vite, j'ai Mbappé en ligue, les 6 victoires je vais les faire, les 7 passes D je vais les faire, et juste ça, j'ai pas 6 joueurs français dans mon équipe, j'ai Abili, j'ai Mbappé, j'ai Ribéry, j'en ai 3. Ouais, je vais bien en trouver 6, les gars, ok. Donc voilà, à vrai de vrai, les gars, ça c'est 1-2-2. En fait, les 3 là, si vous voulez, sans vous rendre compte, vous allez le faire. Voilà. Là, il faut juste mettre 6 français. 6 français parmi vos titulaires. Commencez les matchs avec eux. Et vous faites 5 matchs avec en concédant 2 buts maximum. Tout simplement, les mecs. Vous gagnez un pack 2 éléments 80+, un pack 2 éléments 80+, un pack 2 éléments 82+, et un pack 2 éléments 83+. À la fin, vous récupérez du coup Sumuntu Magasa Future Star. Donc, les gars, je ne le connaissais pas. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, j'en sais rien. Donc, voilà. En tout cas, la carte n'est pas sensationnelle, mais c'est toujours bien de récupérer cette petite carte. Donc, voilà, frérot. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les mecs. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. FIFA, week-end sur foot camp, la semaine c'est détente, marre de ces fichus pack, la vie je mets pas un cas, pas qui conne en SBC, comme d'hab on se baiser, t'appuies sur R1, t'enroules avec ça là, de 10 ou 25 mètres, certitude que le but est là, Vandak dans la défense, tu peux quitter d'avance, Golasso, t'appuies d'un joueur cancer, c'est dans le sang, marre de pâté, Sylvain.